Bonjour les investisseurs et bienvenue sur Pika Bourse. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur deux entreprises que vous pourrez mettre dans votre PEA. Je vous laisse la surprise du nom des sociétés. Et à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je fais un suivi de mon portefeuille. On verra la performance hebdomadaire. Allez, on a du boulot, alors c'est parti J'ai partagé sur Discord les principaux slides du rapport financier. Donc le chiffre d'affaires, les revenus sont augmentés de 22%. On est passé de 53 milliards pour les trois premiers mois de l'année 2023 à 65 milliards. Le bénéfice opérationnel a augmenté aussi de 27%. On est passé de 25 milliards à 31 milliards. Et le bénéfice net a aussi augmenté de 28%. On est passé de 19 à 25 milliards. Donc là, à chaque fois, pour Novo Nordisk, on parle en couronne danoise, hein, donc c'est en DKK. Quand on regarde les prévisions des ventes, hein, euh, on est euh, meilleur même qu'en début d'année. Hein. Pour le 31 janvier, on annonçait euh, une croissance des ventes de 18 à 26 on, est, euh, on augmente un petit peu la fourchette, on passe de 19 à 27 donc c'est euh, super. On révise à la hausse les estimations de croissance. Euh, le bénéfice opérationnel devrait aussi euh, augmenter un peu plus que prévu. Hein. On a augmenté d'un point de pourcentage à chaque fois. Les frais cash flow sont eux un petit peu en diminution. On avait une fourchette autour des 64-74 milliards euh, de couronnes danoises. On est plutôt autour maintenant d'une projection de 57 à 67 milliards. Milliards. Donc c'est quand même euh, de belles projections. Hein. C'est un petit peu en baisse parce qu'ils sont en train d'investir de plus en plus dans les unités de production pour pouvoir suivre la demande croissante pour tout ce qui est GLPA et euh, médicaments euh, contre l'obésité. On se rend bien compte euh, sur ce graphique-là euh, que depuis 10 ans, on a une très forte croissance, surtout sur les dernières années. Hein. Vous voyez là, euh, la partie Dabiat hein, qui représente 76% des ventes euh, au premier trimestre 2024 est vraiment euh, fait vraiment un pic. Hein. On a euh, quand même une croissance exponentielle. Et si on remet ça euh, en base annuelle, hein, le KAGR est de 13,6%. Donc euh, on a augmenté de 13,6% par an euh, depuis 10 ans. Donc c'est quand même une très belle progression de la demande euh, des médicaments de nouveau Nordisk dans ce, dans ce secteur-là. Et on le sait, hein, le diabète et l'obésité, malheureusement, ce sont euh, des euh, marchés en croissance. On a de plus en plus euh, de personnes. Euh qui sont touchés par ces pathologies. Quand on regarde d'un point de vue trimestriel sur l'année complète 2023, on se rend compte qu'au Q4, on était un peu mieux qu'au Q1 2024. C'est pour ça que, euh, malgré de très bons résultats, hein, Nouveau Nordisk n'a pas euh, explosé à la hausse le cours de l'action. Hein. Le, le cours est resté assez flat, hein, assez plan. Euh, on a un léger ralentissement quand même dans, la, dans les revenus euh, qui sont liés au GLP1, donc euh, notamment avec l'Ozan donc c'est là où il y a une grosse croissance du chiffre d'affaires. Donc ça fait un petit peu peur au marché. Hein. Mais forcément, la demande est telle qu'il faut réussir à suivre et c'est pour ça qu'ils investissent pour avoir des unités de production en plus. Donc on est passé de 37 milliards à 34 milliards en un trimestre et euh, les ventes de d'insuline par contre ont continué d'augmenter hein. euh, on est de 11 milliards à 14 milliards pour ce qui est du médicament euh, contre l'obésité le Wegovy on est à peu près stable hein. donc on va surveiller quand même euh, au prochain trimestre ce que ça va donner hein, si on repart vraiment à la hausse quand on passe sur mon screener d'action hein, on se rend bien compte que les revenus ont baissé euh, du Q4 par rapport au Q1. Par contre, le net income a augmenté. Les marges ont augmenté au dernier trimestre. On est passé de marge nette à 33%, à ce mois-ci à des marges nettes de 38%. Donc c'est quand même énorme. C'est un beau gap. C'est 6% de marge en plus. Donc même si les revenus stabilisent un petit peu et repartent à la hausse après, on augmente le bénéfice. Donc ça, c'est vraiment top. Quand on repasse sur la vue annuelle, je vous ai mis un petit graphique là que je trouve intéressant. C'est la comparaison entre l'investissement de 100 euros dans l'ETF du SP 500, vous voyez, il y a 5 ans, et ce que ça nous donnerait à l'heure actuelle. Donc, vous auriez à peu près 180 euros si vous aviez investi dans le SP 500. Euh, il y a 5 ans, et si vous aviez investi dans Nouveau Nordisque, vous auriez euh, 568 euros, donc c'est quand même énorme, hein. une très belle progression du cours de l'action, euh, et je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai investi, j'ai mis un premier pied dans Nouveau Nordisque, même si elle a vraiment augmenté euh, ces derniers mois, et quand on regarde tout, euh, les voyants sont en vert, hein. la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette, le payout ratio, parce qu'elle paye aussi un dividende, hein. le REE, le ROA, le ROCE sont vraiment excellents, on a pas mal de recherche et de développement hein, par rapport aux revenus. On a 13, euh, quasiment 14% euh, de ratio euh, revenus sur CAPEX. Hein, donc on investit pas mal chez Novo Nordisk, mais c'est normal. Hein, c'est une société pharmaceutique. Et en plus, elle doit vraiment développer ses unités de production pour répondre à la demande. Mais on a un très faible endettement. Elle a tellement de cash qu'elle arrive à ne pas trop s'endetter pour cela. Par contre, elle commence à se payer un petit peu cher. On est aux alentours de 46 de PE à l'heure actuelle. Quand on regarde les revenus annuels, on, est, on voit vraiment une croissance exponentielle depuis 2020-2021. Hein, euh, on était plutôt flat avant, hein. c'était surtout euh, de la vente d'insuline que Novo Nordisk produisait. Donc euh, là, vraiment, avec ses derniers traitements, elle a explosé. Et je rappelle qu'elle a des brevets qui sont euh, actifs pendant encore 4-5 années. Donc vraiment, euh, ça va vraiment être un monopole de Novo Nordisk. À moins que les concurrents, comme Lilly sortent des médicaments rapidement pour venir les concurrencer. Pour l'instant, ils sont vraiment en avance sur le secteur. Les free cash flow sont aussi en augmentation euh, exponentielle. Et quand on descend, on retrouve ici la dette. Hein. Donc on a une belle trésorerie, hein. on a plus de 30 milliards de trésorerie et 27 milliards de dettes. Donc tout ça c'est toujours en couronne danoise. Et quand on regarde le ratio euh, dette nette sur EBITDA qui est vraiment souvent utilisé par les investisseurs, on, on se rend compte qu'il a été très longtemps négatif. Et même si ces dernières années il a augmenté un petit peu euh, pour suivre euh, les recherches et le développement, ils ont beaucoup investi, euh, on se rend compte qu'il est quand même vraiment très faible. Hein. Donc euh, aucun problème là-dessus, hein. Novo Nordisk a, a de quoi voir venir. Euh, depuis 2016, on voit que l'entreprise a vraiment repris euh, une diminution euh, du nombre d'actions. On est en 5 ans à moins 7% d'actions, donc c'est vraiment très bien aussi. Ici, on retrouve le dividende hein, qui est quand même assez faible, hein, mais qui est en croissance. Hein. On est à 13 cents par action. Moi, je vous rappelle que les, pour moi, les dividendes, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. C'est un truc intéressant pour réinvestir toujours dans de nouvelles entreprises ou même dans la même action. Mais moi je préfère le rachat d'action, le retour à l'actionnaire. Au moins, euh, si on a l'action sur compte-titres, on n'est pas imposé dessus. D'un point de vue graphique, on voit très clairement que l'action est surachetée euh, ces derniers mois. Hein. Euh, on est quand même à plus un écart-type actuellement. Hein. Euh, la droite de régression euh, nous donnera une tendance à environ 98 dollars. Hein. Euh, on est aux alentours des 134 dollars actuellement quand je tourne cette vidéo. Donc euh, attention de ne pas la payer trop cher. Hein. Après, à vous de prendre le risque ou pas de rentrer dessus euh, à, au prix. Euh, au prix actuel euh, moi je suis rentré autour des 113 dollars 114 dollars donc si jamais elle revient sur cette zone là je renfoncerai ma ligne parce que je trouve vraiment que cette action est très intéressante notamment vous pouvez la mettre dans un PEA euh, vous aurez une imposition réduite hein, si vous gardez votre enveloppe fiscale euh, au bout de 5 ans euh, si vous sortez votre argent, vous n'aurez plus que les euh, cotisations sociales euh, à payer. Donc euh, à vous de voir euh, ce que vous allez faire. Mais euh, moi je la trouve quand même très intéressante, je l'ai en portefeuille et euh, s'il y a le moindre euh, subressaut, euh, je n'hésiterai pas à renforcer ma ligne. La deuxième entreprise dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Euronext. Je l'ai depuis un, un moment dans ma watchlist. Elle a publié des bons résultats, je trouve, pour le premier trimestre. Hein. On est à plus 8% de revenus, à 401,9 millions. Quand on descend un peu, on voit aussi que le bénéfice par action a augmenté de 15%. On était passé de euros par action à 1,58. Donc ce sont des bons résultats, hein, plus 8% de revenus, plus 15% de bénéfices par action. On retrouve euh, des très bons chiffres depuis 2-3 euh, ans. Hein, euh, ce sont euh, les chiffres depuis l'acquisition de la Borsa Italiana, donc la bourse italienne. Ça venait, est venu euh, augmenter les revenus de l'entreprise. Hein, on était toujours autour des, des 500 millions euh, de revenus par an. Et là, on a passé un cap. On est autour des 1000. Mille... 1300-1400 millions, donc 1,5 milliard, autour des 1,5 milliard. Le bénéfice net est en augmentation, lui aussi un 17% sur la seule dernière année, donc c'est très très bien. Quand on regarde les free cash flow, c'est pareil. Depuis l'acquisition de Borsa Italiana, on a vraiment repassé un cap. Le bénéfice par action est en croissance. Les free cash flow par action sont aussi en croissance. On a aussi des marges, des très bonnes marges. La marge nette est de 35%. La marge opérationnelle est de 43%. Et la marge Brut est de 74%. On les retrouve en haut sur mon screener. Hein. On retrouve ici le payout ratio et euh, le rendement du dividende. Il est de 2,51%. Et quand on regarde d'un point de vue du rendement des free cash flow, hein, comme je vous ai dit, ils sont en forte croissance. On est quand même à 8%. Donc c'est un très, très beau ratio. Le PE n'est que de 16%. Donc euh, comme vous le voyez sur ce graphique-là. Euh, le SP 500, euh, c'est la courbe verte, donc euh, surperforme largement Euronext, mais je pense qu'il peut y avoir vraiment un effet rattrapage dans les années à venir. Si les prix cash flow continuent d'augmenter, on aura aussi de très bons retours envers les actionnaires, hein, comme le paiement d'un dividende, le rachat d'actions. Il rembourse aussi la dette, hein, parce que comme vous le voyez ici, euh, on était à 2,72 en ratio net-debt sur EBITDA en 2021, de euh, en 2022, de euh, 11 en 2023. Et dans les rapports financiers du premier trimestre, on apprend que pour mars 2024, on est à 1,7 fois la dette nette sur les bits Donc d'avoir des free cash flow en constante croissance et en belle augmentation, c'est quand même vraiment excellent. Hein. Ça permet donc de racheter de la dette, de payer du dividende, de racheter des actions. Ou pourquoi pas de racheter comme Borsa Italiana euh, il y a trois ans, euh, on peut imaginer qu'elle pourrait racheter une autre bourse comme Francfort. Ou enfin, Francfort, elle est quand même assez grosse. Hein. Mais euh, on pourrait très bien euh, imaginer que dans l'avenir, Euronext rachète d'autres entités. Quand on regarde d'un point de vue graphique, on voit que le cours de l'action a buté plusieurs fois sur des niveaux autour des 60 euros. Hein avant de bien rebondir maintenant on est pas loin de la tendance d'un écart type supérieur à 93 on est actuellement à 91 la tendance de la tendance de la droite de régression est à 80 euros donc on avait été dans une zone autour des 84 euros pendant quelques quelques semaines donc là les rapports trimestriels ont permis de repartir à la hausse faire repartir à la hausse la valeur donc moi je pense que c'est une valeur très intéressante que vous devriez mettre au moins dans votre list pour la suivre en plus on peut la mettre dans un PEA donc moi je trouve que c'est une valeur à surveiller. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, n'hésitez pas. On va passer aux news que je voulais vous partager, notamment l'indice du CPI qui a été publié pour le mois d'avril cette semaine mercredi. Donc il a baissé par rapport au mois dernier de 0,1 point et par rapport à l'année dernière, vous voyez en avril on était à 4,9 et donc on est actuellement à 3,4 donc 1,5% en moins, c'est excellent. Hein. Je vous rappelle que le marché, les marchés financiers, les marchés actions sont, sont quand même euh, intimement liés avec euh, les taux d'intérêt euh, des obligations sans risque, euh, notamment les obligations sans risque américaines. Et ce, ces taux sont donnés euh, par la réserve fédérale américaine. Et Jérôme Powell est son président, j'aime bien vous parler de lui assez souvent parce que c'est quand même lui qui fait le plus et le beau temps sur les marchés. Parce que si les taux d'intérêt baissent, euh, le marché action euh, va certainement repartir de plus belle à la hausse. Il est déjà quand même pas mal à la hausse actuellement. Et notamment les valeurs comme Vichy, les valeurs immobilières, les valeurs qui sont pas mal endettées, euh, pourraient profiter de baisse de taux en fin d'année. Hein. On avait 7 euh, baisses de taux attendues cette année, mais au final, on n'en a toujours pas eu. Hein, on est actuellement au mois de mai. Donc euh, le marché, euh, le, les analystes, le consensus des analystes estime qu'il y aura au moins une baisse de taux, voire deux en fin d'année, notamment certainement au mois de septembre et peut-être au mois de novembre. Donc on suivra ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne. D'ailleurs, c'est ce qui me fait euh, avancer toujours de plus en plus pour vous proposer toujours plus de contenu intéressant. Et ça me donne la motivation d'avancer. Donc euh, abonnez-vous surtout à la chaîne, ça me soutient. C'est un petit geste pour... Vous, mais ça fait beaucoup pour moi. En tout cas, le marché a tout de suite bien accueilli la nouvelle. Le SP 500 est en hausse de 1,14% sur la semaine. Comme vous pouvez le voir, après l'annonce, on s'est quand même envolé. On est passé de 5220 à 5320, quasiment 100 points sur l'indice du SP 500. Et quand on regarde d'un point de vue du CAC 40, ça n'a pas eu trop d'effet. Mais c'est quand même une bonne, marche, une bonne nouvelle pour nous français mais on est plutôt en baisse de 0,77% sur l'indice du CAC 40. On passe maintenant à la performance de mes trois portefeuilles. Comme vous le savez, je vous résume le tout sur mon fichier Google Sheet, mais j'ai mes trois courtiers qui sont Crédit Agricole pour mon PEA, Itoro et IbKR pour mes deux comptes titres. Donc j'aime bien vous faire voir, par souci de transparence, mes comptes, vous faire voir la performance de temps à temps hebdomadaire sur chacun des comptes euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise hein, parce que vous savez ici euh, moi je vous montre tout dans les moindres détails hein, je vous montre comment je gère mon portefeuille boursier et je trouve que c'est vraiment important d'avoir une transparence envers vous donc là on a la performance euh, j'ai mis sur les cinq derniers jours donc du 10 au 16 hein, donc, donc euh, de lundi à hier euh, donc euh, mon compte faisait moins 0,1 et euh, le CAC 40 faisait moins 0,4 quand on passe sur EToro, j'ai une belle performance, hein, j'ai fait 1,39% et j'ai fait plus de 216$, donc sur EToro c'est quand même pas mal, hein, une belle euh, plus-value sur la semaine. Et euh, sur mon compte eBacAer, hein, celui que j'utilise le plus maintenant, celui sur lequel j'investis le plus de liquidités, euh, pour équilibrer justement avec mes deux autres comptes, euh, je suis en moins-value de moins 0,3%. Comme vous le voyez, je rachète euh, mes lignes une par une depuis août dernier euh, sur ce broker-là. J'ai même investi dans Netflix et dans MSCI de nouvelles entreprises, hein, Novo Nordisk aussi, c'est de nouvelles entreprises que j'ai fait rentrer dans mon portefeuille. Et on retrouve ici euh, d'ailleurs euh, sa liquidité à hein, 8771 euros. Et euh, ma euh, plus-value euh, depuis euh, la création, donc en août dernier, 1580 euros. Quand on repasse sur mon fichier de suivi Google Sheet, on se rend compte que le mois de mai vient bien rattraper le mois d'avril. Comme vous voyez, mon portefeuille a bien progressé. On est autour des 40 900 euros. Donc c'est vraiment une belle performance. Si on regarde le suivi manuel, mensuel, vous voyez qu'ici, j'ai renversé que 410 euros ce mois-ci. J'ai décidé de verser un petit peu moins, comme j'ai quand même pas mal versé le mois dernier. J'ai profité de la baisse du marché global au mois d'avril pour renforcer les positions et pour en ajouter des nouvelles. Donc euh, comme vous le voyez, on surperforme euh, sur le mois de mai hein, le mon benchmark le Cw8. Hein, on fait 3,46% depuis le 1er mai et euh, mon benchmark fait 2,83%. Donc je reviens tout doucement dans la course. Hein, euh, le benchmark sur l'année fait 12,45% et moi je suis à 11,09. Donc euh, comme d'habitude, hein, je ne m'avoue pas vaincu. Hein, on fera le bilan vraiment. Au mois de décembre, comme on l'a fait dernière, je, je vous rappelle que l'année dernière, j'ai fait 23,59% et mon benchmark a fait euh, le CW8 19%. Donc c'est pareil, hein. euh, on prend la performance euh, au 1er janvier mais il n'y a pas de versement. Donc ce n'est ne, pas du DCA. Donc forcément c'est beaucoup plus dur pour moi de battre puisque je verse tous les mois, j'achète des entreprises euh, chaque mois. Et donc euh, a, je n'ai pas forcément le temps euh, assez de, de recul pour faire performer mon portefeuille par rapport à mon benchmark. Mais euh, j'essaie quand même d'avoir euh, les meilleurs points d'entrée sur les valeurs pour, pour réussir mon objectif. Quand on passe sur mon portefeuille hein, on se rend compte que mon investissement en DCA n'est pas terrible terrible, hein. ça fait 5... Je vous rappelle, tous les mois je prends une part du CW8, donc je suis à 5 parts puisqu'on est au mois de mai. Donc euh, je fais plus 120 euros de plus-value quand même, mais 5%. Donc si on voudrait vraiment comparer ma performance euh, à un indicateur, il faudrait prendre ces 5% là. Et donc là je surperformerai largement un investissement en DCA, en investissement euh, comme moi je fais actuellement, puisque je fais 11%. Et l'investissement en DCA fait 4,99% sur l'année. Je voulais aussi vous parler d'Apple aujourd'hui parce que c'est quand même la deuxième position de mon portefeuille avec quasiment 3600 euros de valorisation. Et donc, on a eu une news cette semaine comme quoi Apple serait proche d'un accord avec OpenEI pour mettre de l'intelligence artificielle dans ses nouveaux téléphones et notamment dans le iOS 18. Donc, on avait eu une rumeur, j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne entre Apple et Google. Euh, J'y avais quand même un peu cru, hein, parce qu'on sait qu'Apple et Google ont déjà pas mal de partenariats ensemble, mais au final, apparemment, Apple euh, serait en phase de conclure un un accord avec euh, chatgpt et OpenEI. donc moi, de toute façon, que ce soit avec google ou avec euh, chatgpt OpenEI, euh, me... ça ne me dérange pas. du moment que apple arrive à rattraper son retard dans l'intelligence artificielle en achetant, en faisant des partenariats, pendant que ses ingénieurs travaillent aussi eux sur leur propre intelligence artificielle. le, le principal, c'est qu'apple ne soit pas décroché dans la course à l'intelligence artificielle. le cours d'alphabet avait augmenté suite à l'annonce. Euh... Des dernières rumeurs, donc il a rebaissé un petit peu quand Apple a, quand cette rumeur entre Apple et Chat GPT a... est sortie. Donc à voir par la suite, mais de toute façon, euh, Google continue de travailler sur Gemini et euh, je pense que ça ne, ça ne va pas changer grand chose euh, dans les fondamentaux d'Alphabet. Donc je reste toujours confiant euh, sur ces deux entreprises. Pour le reste aussi, je voulais souligner que forcément, le marché a apprécié. Euh, euh, la nouvelle sur le ralentissement de l'inflation. Et donc, euh, ma position dans Vichy euh, Property euh, a vraiment repris du poil de la bête. On n'est plus qu'à moins 2,10%. Quand vous regardez dans mon portefeuille, je n'ai plus que trois valeurs en moins-value hein. c'est Pernod Ricard, moins 3,90, Johnson Johnson, moins 3,79 et Vichy, moins 2,10. Donc, euh, je suis très content. Hein. D'ailleurs, les dernières euh, valeurs que j'ai rentrées en portefeuille sont Netflix, hein, on fait plus 8%. MSCI c'est pareil, je l'ai rentré récemment, j'ai acheté 3 actions, on est aujourd'hui à 6% quasiment, donc c'est vraiment je pense des bons choix, de toute façon c'est des entreprises de très belle qualité et moi j'ai des convictions dedans, donc j'ai profité de moments de faiblesse pour renforcer mes positions. Euh, J'aimerais toujours bien renforcer mes positions en bas de portefeuille, hein, toutes les lignes où on est à moins de 2%, euh, notamment Nouveau Nordisk. Au vu de son dernier rapport financier, je pense qu'elle va vraiment encore performer euh, pendant des années. Donc, euh, affaire à suivre. De toute façon, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre euh, ma team privée euh, PIK Bourse, euh, il y a un petit abonnement de 3 euros par mois où vous aurez accès à mon portefeuille, au chat privé de la communauté Discord et un tout tas de tableurs. Hein. Euh, mon screener d'action est à 8 euros, lui, hein, l'offre de lancement est toujours en place j'ai 7 membres qui en sont très contents donc n'hésitez pas à nous rejoindre vous aurez aussi accès donc au discord et euh, on pourra échanger ensemble d'ici là moi je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao